Bonjour et bienvenue pour la recette des pâtes tunisiennes. Alors, tout d'abord, vous mettez de l'huile d'olive, vous faites revenir avec... Alors, pour les gousses d'ail, je vous explique, je mets à peu près une tête entière. Donc, on en met vraiment pas mal. Donc, une tête entière de gousses d'ail. Vous pouvez bien évidemment en mettre moins, selon vos goûts, mais ça apporte beaucoup de goût. C'est pour ça que j'aime. Donc, vous les écrasez avec un écrase-ail, vous faites revenir l'huile d'olive avec... l'ail, tout simplement, vous faites revenir, voilà, 2-3 minutes. Ensuite, vous ajoutez tout simplement le concentré de tomate, la viande, bien évidemment, et vous laissez revenir, ainsi que quelques feuilles de laurier. Vous laissez revenir comme ça, bien 10 minutes. Vous ajoutez un tout petit peu d'eau, hein. On ajoute aussi un peu de piment doux, et bien évidemment, le piment har, c'est-à-dire le piment piquant. Après, c'est à votre convenance, hein, selon vos goûts, toujours pareil. Donc voilà, vous laissez revenir comme ça bien une bonne dizaine de minutes. Donc vous surveillez très bien sûr. Dès que donc vous avez laissé revenir 5 minutes, vous surveillez toujours, vous restez à côté bien évidemment. Et vous ajoutez de l'eau à hauteur, vous mouillez la viande, tout simplement. D'accord? Donc on mouille la viande. Et là, on va tout simplement laisser revenir... une bonne, oulala, selon la viande que vous mettez, bien évidemment, selon la quantité, vous allez bien laisser revenir à peu près 30 à 45 minutes. Donc voilà, vous laissez tout simplement revenir, on ferme, enfin on vient mettre le couvercle. Moi, je mets quelques petites gousses d'ail, hein, comme ça, entières. C'est très bon aussi pour la santé et puis pour ajouter du goût. Moi, vous savez toujours que je sale en fin de cuisson. Toujours. Je sais pas pourquoi, mais je préfère. Et en plus de ça, le fait de saler, ça cuit encore plus la viande. Ensuite, vous mettez votre eau à bouillir et vous faites, voilà, bien sûr, cuire votre pâte. Donc, qu'importe, hein, selon vos envies, hein, spaghetti, comme disent les Tunisiens, macarouna. Ou moi, je vais mettre tout simplement les penne rigate, barilla. On fait un remix entre Italie et Tunisie. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est parti, on les met à cuire. Et c'est simple, on a arrêté la cuisson bien sûr du plat. Donc une fois cuites, eh bien on viendra les ajouter à et les mélanger à la sauce bien sûr. La sauce. Donc voilà la fin. Donc à la fin de cuisson, voilà ce que ça doit donner bien sûr. Hein. Toujours avec la petite huile qui remonte. Et là on va venir donc tout simplement mélanger, ajouter nos pâtes. Et voilà. Donc on a bien mélangé nos pâtes à la sauce et à la viande.